Eh bien, salut tout le monde, salut à tous, c'est Percy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien, les amis. Aujourd'hui, on se retrouve sur Valfaris, un jeu édité et développé par Steel Mantis et Digital Hyperkit Production, qui est production. Production, pardon, excusez-moi pour cet accent de merde. Donc, c'est un jeu très. Comme vous pouvez le voir, ça fait penser un petit peu. Au jeu, alors j'ai totalement oublié le nom, je l'avais en tête tout à l'heure mais je l'ai totalement oublié, avec Jack Black, que je ne m'en souviens plus, du coup on va passer cette étape. et moi ça me fait également penser un petit peu à Double Kick Heroes, qui était un jeu que j'avais testé il y a pas mal de temps, avec des voitures et des musiques de heavy metal. Et là c'est clairement le cas, nous sommes dans un jeu de fight en 2D avec une grande inspiration heavy metal. Donc, on va tester ça, commencer. Les images qui suivent sont tirées d'un gameplay pré-alpha et ne reflètent pas la qualité ou le contenu définitif. Ça, faut bien le prendre en compte, c'est important. Oh, la gueule du truc, c'est juste dingue. Therion, les mesures indiquent une atmosphère impure, mais respirable. Attention, mes scans détectent plusieurs formes de vie en approche. Oh, bon travail. Bon, au travail. Si je me fail, ça va pas le faire. Alors, ok. Donc je peux tirer. Apparemment j'ai munitions limitées. Par contre je sais pas comment on utilise. Ah ok, il y a un tuto. Bah nickel. Appuyez sur X pour tirer au pistolet. D'accord. Oh les musiques, c'est juste dingue. Oula, oula, non. Non. Je me fais. En tout cas, oula, my god. C'est chaud. Appuyez sur Y pour frapper à l'épée. Ah bah voilà, nickel. Je savais pas c'était quelle bouche, mais maintenant je sais. Oula, attention. On va attendre le chien. Bam! Prends ça dans ta gueule. Oh, c'est vraiment. Appuyez sur LT pour activer le bouclier. Oh, génial. Oh, ça c'est bien ça. On a un bouclier et tout. Pas mal, franchement. Oula. Oula, non. Écho corps à corps rapporte des. Ah, ça rapporte de la vie, d'accord. Pas mal. Pas mal, pas mal. Enfin, ça rapporte des items. Oula, quand on défonce un peu tout là. Il va falloir se calmer. Ça, je présume que c'est pas bon. Ah, ok. Oh, génial. Oh, génial. Par contre, on a juste défoncé le mec. On a juste à défoncer. Tiens, prends ça. Ok, donc. Donc là, je suis obligé de re-sauter là. Voilà. Putain, il fait mal, c'est un truc de ouf. Putain, mais ça se spawn tout le temps ou ça se passe comment? Allez, on va essayer d'aller vite. Voilà, nickel. Appuyez sur RB pour insérer une idole de résurrection. Pourquoi la touche RB déjà? Ah oui, voilà. Je dis à chaque fois. Oh, enfoiré. What? Oh, c'est génial. On voit le mec cadavre. Maintenez LT pour une direction pour viser. Alors LT c'est quoi déjà? Maintenez LT c'est quoi déjà? Cette touche là, ah oui, nickel. Et après on appuie sur X. Alors faut que je me mette un peu plus en retrait. On avance un peu. Nickel. Ok, donc il y a quand même pas mal d'éléments de gameplay hein. Il y a quand même pas mal de trucs différents. Wow! Ah bah ok. Bah, lui il est totalement mort apparemment. Ah putain, mais ils font mal! Ah ouais, attendez, au pire. Oh non! Ils m'ont buté! Ah les salauds! Et on retourne au checkpoint ici, d'accord. Ah mais quand je tire, j'ai plus mon. J'ai plus mon bouclier. Ah, j'avance un peu. Hop là, on va attendre. Bam! C'est juste dingue. Ok, mais en fait, je sais même pas pourquoi je me fais chier. J'ai juste à aller frapper une fois, il meurt. Donc je vise, je bloque. Bah ouais, en fait, c'est trop easy. Je pars avec mon bouclier et une fois qu'il tire. Je repars. Appuyez sur RB. Allez, ah oui, c'est vrai. Hop. Idole de résurrection. Idole de résurrection. Ah non.
Merde, j'arrive pas. Maintenez B pour accéder à l'équipement. Ah ouais, ok, non, ok. Et ça, je peux améliorer, du coup. Pas assez de matériaux. Il faut des matériaux pour améliorer et je peux le changer. En cours de game, apparemment. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Wow! Oh non, il m'a eu. Non! Oh là, les esquives que je connais. Yes. Sec. Oh là là, il est mal. Oh là 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 là. Alors je me tais parce que j'ai envie de vous laisser écouter un petit peu les soundtracks du jeu. Parce que franchement elles sont pas mal, hein. Moi qui écoute pas de... J'écoute pas de ce genre de musique d'habitude. Et en fait je trouve ça intéressant parce que ils vont jusqu'au bout de leurs idées et c'est juste dingue. Est-ce que je peux descendre? Ouais. What the fuck, c'est quoi ce truc? Ok. Mais what? Hop, tiens, prends ça dans ta gueule. Ah, par contre là, il y a un chien qui est caché ici. Oh my god. Oh, je peux tuer même ceux d'en haut comme ça. Si tu peux chiper. Faut cheater, mais what the fuck? What? What? C'est quoi ce truc? What the fuck? Mais quoi? Mais n'importe quoi! J'ai tout caché! Mais what? Comment c'est? What the fuck? Ah bah, suffisait de rush. Suffisait de rush, apparemment. Aïe, par contre, ça fait très mal. Farm. Ah, faudra le dire au dev ça qu'il y a un petit bug à ce niveau là. Ah, là je sais pas comment on esquive ce truc. Ah bah voilà. Fallait au moins possible apparemment. Ah. Oh non, putain, comme un boss, je suis monté, quoi. Yes. Faut que j'aille là. Voilà. On va faire de la vie un peu. Tac, tac. Wow. Ça a l'air violent, aussi. Voilà. Elle est pas mal, elle est assez longue quand même la démo, c'est ouf. Ouch, putain, il m'a fait mal. Arrête. Il y a les jambes qui se barrent, quoi, c'est ouf. Ouais, on a une nouvelle arme. S'en équiper, ouais, on va tester. On va tester. Ok, ah merde. Maintenez LB pour tirer. Maintenez B pour tirer. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ah, ça rigole pas, quoi. Ça rigole plus avec cette arme, c'est ouf. Oh, je peux détruire leurs bombes avant qu'elles m'atteignent. Ah, je savais pas, ça. Ah, bah, attendez. What? Qu'est-ce qui se passe? What? Pourquoi je peux plus tirer? Je sais pas ce qu'il faut faire. Faut le faire. Ah, faut le faire tomber le truc d'abord. Par contre. Mais non, mais c'est une blague! C'est une blague! Bon bah, c'est parti. Ah ouais, d'accord. Oh, c'est génial! Je savais pas que je pouvais faire ça. Allez, par contre, ça fait très mal.
Alors, un nouvel élément de gameplay. Trouver métal sanglant. Rassemblez 3 pour augmenter la puissance de vos armes. Appuyez sur RB sur un checkpoint activé pour accéder à votre équipement. De là, vous pourrez améliorer vos armes. Ah, c'est que à ces endroits-là. J'ai pas assez de matériaux, donc c'est marrant. Quand je récupère les orbes bleus, c'est ça qui me permet d'utiliser ma grosse mitraillette. Oula, what? J'avais pas vu qu'il y avait un autre chien encore. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que ça sert? Ah ouais. Bah apparemment pas grand chose. Ah merde, total fail. Ah putain, c'est ouf quoi. Ah mais ils font mal. Putain d'araignée. Mais non. Mais elles font trop mal. C'est ouf quoi. Aïe 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 aïe. Comme ça, ça a l'air d'aller mieux en utilisant cette technique. Voilà. On active ça. Mais la démo, elle est ultra longue, c'est dingue. C'est ouf comment elle est ultra longue la démo. Terrion, les scans indiquent une immense source d'énergie devant nous. C'est exactement ce qu'il me faut. Énergie illimitée. Ah ouais, ça c'est pour faire ça. Ok. Ça prend trop cher. Par contre, là, comment ça prend cher. Allez, t'as vu là. Oh ouais. En fait, j'ai même pas besoin de sauter. Il y a des trucs, je passe à travers. Vos constantes viennent de monter en flèche. Oui, c'était quelque chose. Bah ouais. Le chemin est bloqué par des débris. On dirait qu'il manque un cristal énergétique pour que le vaisseau sur lequel vous vous trouvez redevienne fonctionnel. Et un vaisseau fonctionnel pourrait frayer un chemin, j'ai compris. Ok, donc du coup... Ah, faut que je monte là par exemple. Je saute, what the fuck quoi. Ça permettrait de sauter. Ah ouais, nickel. Ah. Ah. What? Mais où? Oh non, j'ai crevé. Putain, ok. Je suis mort. C'est trop dur. En tout cas, ce jeu est sympa. Hein. Je sais plus comment j'ai fait pour l'avoir. Je crois que c'est les développeurs qui m'ont donné pour que je teste. Enfin, j'ai la démo, le jeu est pas encore sorti. Et je crois qu'il n'y a pas de date à l'heure actuelle. Donc, Ouais, non, mais donc on touche là, quoi. C'est nimp. Mais c'est nimp ce jeu! Ils font trop mal! Et si on meurt, on arrête, hein. Je pense qu'on a ce qu'il nous faut. Aïe putain, je fais toujours avoir la... J'ai eu lui par contre. Ah bah lui je l'ai pas eu par contre. Mais putain c'est dingue. Hop. Voilà. Ah putain je peux faire ça. Oh. Non. Chaque fois je suis à deux doigts quoi. Bon allez, dernière fois, dernier test. Après Putain je me fais toujours avoir. Quoi.
danger. Ok, bon bah allez, on arrête là. J'espère que cette vidéo sur sur comment il s'appelle déjà. Oui, Valfaris, parce que je confondais, j'allais dire Valrafis, mais c'est Valfaris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'aime bien, franchement j'aime bien ce côté heavy metal, j'aime bien l'ambiance, donc c'est plutôt sympa. Je verrai si j'arrive à, quand le jeu sortira, je verrai si je ferai ou pas, on verra, pas mal de possibilités. Et sur ce, écoutez, moi je vous dis, portez-vous bien et à bientôt, on se retrouvera pour d'autres vidéos, tout simplement pour vous faire découvrir des nouveaux jeux. En ce moment, j'aime bien faire des petites vidéos sur les jeux indépendants comme ça, juste pour découvrir des nouveaux trucs, c'est sympa. Donc voilà, si vous voulez voir d'autres vidéos ou des lives, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à liker, tout ça, vous connaissez. Même à rejoindre la chaîne, parce que j'ai le bouton rejoindre, vous avez des petits avantages, voilà. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Tchuss tout le monde!